Salut à tous, c'est Austin Sou pour la chaîne des Avernus Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur The Darkness 2. Donc c'est un jeu qui m'avait bien plu dans le premier opus, je savais pas énormément jouer mais j'avais déjà pu voir ce que c'était. Donc je vais essayer de faire un gameplay découverte en somme sur ce deuxième opus. Donc gangster, ok, ce qui correspond normal. Darkling en bas. Ok. Bref. Si vous voulez, on va regarder précédemment dans The Darkness. Donc c'est le premier opus. Où on apprend que... Bah voilà. Lui va nous expliquer. Le début de l'histoire, tu le connais. À l'origine, il n'y avait que dalle. Rien de rien. Juste le vide et le Darkness. Et ça, le Darkness, ça lui plaisait bien. Puis Dieu vint tout chambouler. Il alluma les lumières, créa une planète par-ci, un soleil par-là, enfin, tu vois le genre. Rapidement, l'endroit fut recouvert d'humains, de vaches et puis de trucs partout qui couraient dans tous les sens. Inutile de dire que le Darkness l'a eu mauvaise. Il réagit alors comme l'aurait fait toute entité maléfique à sa place. Il utilisa ses puissants pouvoirs pour se frayer un chemin dans le monde, passant d'un autre humain à un autre. Tous pensaient le dompter, mais le Darkness ne sert personne. Avec le Darkness, tu obéis. Un pas alors un autre. Jackie et Staccato. Aucune famille, aucun espoir, aucun avenir, enfin, tu vois le genre. Rien d'étonnant à ce qu'il ait fini comme tueur à gage pour les Franchetti, une famille de criminels. La vie n'était vraiment pas rose pour Jackie. Le jour de ses 21 ans, elle vira même carrément en noir. À première vue, ses super pouvoirs étaient une véritable aubaine pour Jackie, lui qui trempait dans des affaires crapuleuses. Si on fait abstraction du démon qui vivait en lui, ça aurait été le cas. Le Darkness ne se contenta pas de rendre Jackie plus fort. À l'abri de la lumière, il pouvait faire de lui un dieu. Subitement, la mafia a pris Jackie pour cible. Elle le voulait mort, tout simplement. La mafia de New York déclara la guerre à Jackie et au Darkness. Tout n'était cependant pas noir pour Jackie. Une lumière brillait dans sa vie. Cette lumière s'appelait Jenny. Ces gosses se connaissaient depuis toujours. Ils étaient véritablement faits l'un pour l'autre. Le sort en décida autrement, leur histoire se transforma en tragédie. La mafia cherchait un moyen rapide pour atteindre Jackie. Et ils pensaient y parvenir en lui retirant sa seule raison de vivre. Tuer Jenny est l'idée la plus stupide que la mafia ait jamais eue. Sans elle, Jackie n'avait plus aucune raison de vivre. Pire, il n'avait plus rien à perdre. Tout comme le Darkness, Jackie l'a gardé enfoui pendant des années. Mais tous ses efforts sont inutiles. Nul ne peut contenir les ténèbres. S'il ne parvient pas à dominer cette chose en lui, il se perdra à jamais. Jackie ne sera alors plus qu'une coquille vide. Et le Darkness, lui, n'attend que cela. En gros, pour résumer, c'est un mec qui a une espèce d'entité bizarre là, l'ennemi des dieux. Donc voilà, lui qui s'appelle Jackie, qui va avoir le pouvoir du Darkness, qui va essayer de le contrôler, en suscitant des mauvaises émotions en lui. Si je me souviens bien, c'est bien ça. Hein. Voilà, ouais. Donc ouais, après il y a ça, il me semble, je sais plus, bon, après c'est, ils le disent que sa copine meurt, mais je ne sais pour quelle raison, hein. Et ensuite, ben, il devient fou, et bon, là on va le voir, je sais pas, après, on va bien voir ce qui va se passer, hein, si... Bon, après je sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit problème d'aliasing là, c'est assez... Genre, voilà, ouais, là. Bon. Ça faudrait que je le règle dans quelques temps, parce que bon... C'est assez dérangeant quand on prend une vidéo. Après je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais... On dirait ça. Oubliez pas de commenter, de dire s'il y a des... Oui, à droite, ok. Oui, c'est à droite. Quoi? Tu veux quoi? À gauche, du con. Hey,
Jackie, regarde ça. Ils ont mis une photo de ton père. Mais il me disait de regarder à droite, je regarde à droite, en fait il faut que je regarde à gauche pour que l'autre me dise que je regarde à gauche. C'est une blague. Ils sont cons. Il y a les jumelles qui t'attendent. Super. Enrico, ça y est, je t'ai eu tes billets pour le match. Allez, c'est cadeau. On est dans un super resto. D'ailleurs, je ne sais pas si on se trouve. Il me semble qu'on a dans une. Je me souviens bien, c'était à New York parce qu'il y avait la mafia qui le cherchait. Ok. Bon appétit. Salut Jackie. Tu te souviens de nous au Candy Club? Hein? Bon, j'ai activé les sous-titres parce que je sais pas si sur le premier, je pense que je vais faire un premier épisode de 20-30 minutes à peu près. Après, si je me trompe, bon, voilà. Ok. Super. Donc un épisode de 20-30 minutes pour voir ce que ça rend, s'il n'y a pas de problème de framerate, s'il n'y a pas de... Voilà quoi, je vais faire avec le rendu, on verra bien. D'accord, merci. Il y a des nous battus, ok. Ah ouais. C'est bizarre, hein. C'est un mec, hein. J'en sais rien. Merde. J'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas visé, là. Ça fait bizarre. On dirait que je suis un putain d'hacker, maintenant. Toi, je te tue. C'est nous. Enfin, toi, là. Ouais, toi, là-bas. Je crois que je l'ai raté, ouais. Je l'ai raté. Ouais. Moi, on dirait qu'il y a une aide à la visée, c'est impressionnant. Je suis en mode normal, j'aurais peut-être dû mettre en mode difficile. Peut-être qu'il n'y aura pas eu cette espèce d'aide à la visée que je trouve assez assez prononcée quand même. Hein. Bon, on a une jambe dans un état. Alors toi, ici, toi, ici, merde. En fait, pourquoi je me fais chier alors viser la tête? J'ai besoin de souffler un peu, Jackie. J'ai pas fait de sport depuis des semaines. Oh là là. Allez, bute-le. Ah. Bizarre, ça bouge. Ça. Ok, là-bas. Je te flingue. Toi, je te flingue aussi. Putain. Bon, écoute. Je peux voir la cuisine. Oui, d'accord. Donc je vais me mettre en mode badass et je vais défoncer tout le monde avec le flingue. Je... Mais c'est trop dur à viser là. Allez, ça sert à rien. Je vais faire un flingue moi. Drôle. Bon, c'est quand même mode badass donc ça va. Attends, je vais faire quoi là, tirer? Non, ah non, je peux pas tirer. Oui, on est là-dedans. Ils vont tout faire péter, c'est ça? Avec le gaz là. Mon dieu. Ils ont fait un cocktail molotov pour nous faire péter à l'intérieur. D'accord, ça va pas être super. Bon, vous risquez d'entendre un peu des bruits de travaux derrière moi. Bon, j'y peux rien. On va dire que je peux pas dire à mes voisins de dire « Ah, ouais, faites pas les travaux. » Enfin, bref. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Ça devrait pas être ça comme ça tout le temps. Bon, là, à mon avis, c'est le darkness qui revient. W pour avancer. Mais j'appuie dessus sur ton W. Ok, mais... Ils disent W, mais c'est Z. Pour toi.
Voilà, on va le libérer direct, hein. Voilà, là ça devient intéressant. Là c'est du vrai gameplay maintenant. Oui. C'est là où ça va devenir intéressant, qui rend ce jeu assez sympathique. C'est que c'est vraiment spécial, c'est un mélange de FPS avec aussi une espèce de... Ah ben voilà, sa jambe qui redevient normale. C'est un mélange de FPS et de... comment dire? Ouais, FPS mais avec des techniques spéciales. Ah ben voilà, il y a lui là, qui nous a aidé. On doit lui parler, ok. Ouais, je sais pas, c'était des mecs déguisés en... Donc on peut dire des techniciens de surface, voilà. Ouais. Oui, c'est bien. En même temps, après, tu t'es pris une explosion dans la gueule, t'as rien, je veux dire, t'es à peine cramé, bref. Donc est-ce qu'on peut sprinter? Oui, on peut sprinter. Ouais. BKSPC. Mais qu'est-ce PC? BKSPC. Je vais mettre 3 heures à trouver qu'est-ce que c'est BKSPC. Hein, c'est échappe, non? Non. Peut-être que je loupe un truc. Attendez, hein. Voilà, c'est bon, on est de retour. J'avais pas compris, c'était retour arrière, donc peut-être backspace, je sais pas. Ok, donc lui il me dit toujours rien. Alors Q pour attraper les objets en surveillance. Ouais, je sais pas pourquoi mais mes trucs sont en... Ouais. Donc lui, ok. Donc on peut attraper avec, avec A les objets et les lancer. Donc on peut jouer à empale tout. Regarde. Oh, c'est intéressant. Donc si c'est comme avant, on peut toujours manger les cœurs des ennemis. Donc, et donc... ah oui, avec ça. Ouais, ouais. C'est pour les faire voler là, mais mieux faut pas, je sais pas. Donc ça, à mon avis, on peut détruire ça. Okay. On peut donc faire des espèces de coups de liane. Enfin, on dirait de liane, de coups de tête. Enfin bref. Je sais pas vraiment ce que c'est. On peut normalement manger les cœurs des gens pour régénérer. Je sais pas si c'est possible, je pense, normalement. Ok, donc. Ok. Donc lui, bouffe ça, bouffe ça, bouffe ça. Voilà. Ouais, on peut... Ah. Ok. Ok, lui il est mort. Il a une sale gueule. Oh, ok. Oh, non. Comment on le chope? Ah, je vous laisse attraper, moi. Ils font mal. Vous tapez avec quoi? Avec une épée ou quoi? Bref, Osef. Espace pour sauter. Ah, ça j'adore sauter, j'arrête pas de sauter partout. Je pense que ça va bien vous faire chier. Bah ouais, 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 c'est bien ce que je me disais, il va encore voir sa copine là. Je sais pas, il va l'avoir plein de fois, genre ça va être bien le délire psychotique. Alors A pour arracher le couvercle. Ok. Ah ouais, on a... Ouais, ouais, ok. Bonjour. J'appuie sur 1 et... Ok. Oh. D'accord. J'ai avoir une arme bientôt, non? Ah, je peux lui envoyer. Ok. Motherfucker. Bah tu meurs. Ok. Ah voilà, une arme. Ça c'est bien ça. Hello motherfucker. Bam bam. Je suis pas mort. Eh oui. Ah non, pas le mort. Je cours lui. Badass motherfucker. Alors. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est très bien parce qu'on peut ramasser... les armes à distance parce que le Dark... Ah oui, ouais, comme on a pu voir, je suis passé un petit peu à la lumière, regardez.
quand je passe à la lumière, le darkness ne marche plus parce qu'en fait, ce darkness et les ténèbres, donc il marche pas la lumière. Et je vais me faire flinguer là, ça va être pas bien. Ouais, ben, je me suis fait flinguer. J'ai pas fait attention. Parce que je suis allé à la lumière. Rejoins les ténèbres. Oui, non, c'est bon. Oui, c'est bien. Tais-toi. Ah, je vais devoir repasser ça, hein. Le coup, je prends la boîte, je lui envoie sur lui. Allez, hop, je prends son truc, je le tue. Ensuite, je peux prendre le flingue. Je pense que je vais rester avec un flingue parce que je me débrouille bien mieux avec une seule arme, en fait. Parce que... Oui, il est pas mort. Oui, hop. Parce que, bon, j'ai vraiment du mal... Oh. J'ai vraiment du mal avec... Oh mais... Allez! J'ai vraiment du mal avec d'autres armes. En shadow parce qu'en fait, il y a la... Ah. Faut flinguer les lumières en fait. Parce que sinon, hop. Oui, père du nord. Je suis resté là. Bon, c'est le début, c'est pas vraiment dur. Hein. C'est... Hop. Oh mais allez! J'ai l'impression de viser à la tête et... Le gars, il est pas mort. Donc... Ah oui, aussi on peut se faire... Ouais, j'avais oublié ça. C'est super ça. On peut prendre des portes et des objets du décor, généralement, pour se protéger, en fait. Et je trouve ça assez rigolo. Ouais, ça, on va l'envoyer. Je cherche les armes, s'il vous plaît. J'ai plus de munitions, après. S'il vous plaît. Hop, il y a ça. Il y a ça. Oui, mais je veux pas. Je veux qu'une arme. Ah, voilà, merci. Une arme là. Toi, ta gueule. Ta gueule. Je suis vraiment pas bon, hein. Je veux dire, j'ai un peu du mal avec le système de gameplay du jeu. On se passe. Même si, pourtant, il est. Ouais. Alors, faut m'expliquer les explosions comme ça, là. Je comprends pas, là. Il y avait. Bon, on va pas chercher à comprendre. Ah mais oui, c'est notre pote ça. Je pense que je vais baisser un peu le son après parce que vous devez avoir un petit écho je pense dans mon casque. J'ai pas un super casque. Donc, mais de toute façon il y a plein de choses que je dois changer. Donc bon, pour le moment vous aurez pas des conditions pour voir les vidéos top. Mais bon, mais ouais, c'est comme d'habitude, c'est un gros port. Donc juste après ça, ça va être la fin de l'épisode 1. Bon, c'était vraiment gameplay découverte. Hein. Après, on va carrément faire un let's play dessus, je pense, parce que bon, ça m'a l'air d'être, c'est un super jeu. Et écoutez, si vous voulez plus, je vais faire déjà commencer à faire l'épisode 2 et 3, je pense. Et après, si ça vous plaît, écoutez, moi je vais en upload plus. Hein. Après, si ça vous plaît pas, je vais me concentrer sur d'autres séries qui vous plairaient plus. Si vous avez des idées de séries, donc je ne sais pas, moi j'avais des petites idées comme Amnesia, mais bon, Amnesia vu que c'est beaucoup joué, je pense pas le faire. À moins que vous, si vous vraiment voulez que je fasse de l'Amnesia, j'en ferai. Si c'est à vous de voir, hein, je veux dire, moi c'est comme vous préférez. Bref, donc c'est la fin de l'épisode 1 et à plus tout le monde.